Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Les informations dont on dispose, c'est que des débris de l'avion ont été repérés par des moyens héliportés, des hélicoptères qui sont rendus sur zone dès qu'on a eu une perte des courants radars et dès que le plan satellite a été déclenché. Donc des débris qui sont localisés dans une zone difficile d'accès, montagneuse, sur laquelle, a priori, zone dans laquelle pardon, il n'y avait aucune habitation. Et les premières remontées d'informations laissent penser que le bilan sera évidemment extrêmement lourd. Extrêmement lourd, c'est une tragédie terrible. Mais il y a des moyens qui sont mobilisés en ce moment au sol pour pouvoir rejoindre de manière terrestre les lieux du crash. Qu'ont pu voir exactement les hélicoptères de la gendarmerie qui ont survolé la zone? Et d'ailleurs, où se situe précisément cette zone? Sur quelle commune? Alors, la localisation, c'est du côté de la commune de Prades, entre Prades et le Vernet, mais c'est une zone relativement étendue parce que il y a plusieurs hectares qui peuvent être concernés par les lieux du crash. Et ce qu'ont vu les premiers hélicos arriver sur place, eh bien, ce sont des débris et ils n'ont pas aperçu de signes de survie de la part de passagers qui auraient pu être épargnés. Mais ce sont des informations à prendre évidemment avec beaucoup de précaution. Il va falloir confirmer par les moyens terrestres qui ont été immédiatement déployés, déclenchés. Il y a une montée en puissance avec des moyens sapeurs-pompiers, des moyens de la sécurité civile, des gendarmes, des militaires, des équipes médicales qui vont pouvoir rejoindre bien dans les prochaines heures la zone du crash. Dans les prochaines heures, est-ce que vous avez une estimation un petit peu plus précise de l'heure à laquelle les premiers secouristes vont pouvoir arriver sur la zone ? Non, je n'ai pas pour l'instant d'estimation plus précise. Évidemment, il faut se hâter pour éventuellement porter secours à d'éventuels survivants, mais il faut aussi agir avec beaucoup de méthodes et beaucoup d'organisations pour pouvoir envoyer des secours dans une zone particulièrement escarpée, difficile d'accès. Donc il faut agir avec beaucoup de méthodes et beaucoup de méthodologies. Et puis c'est une zone qu'il va falloir aussi préserver pour l'enquête, afin que l'enquête judiciaire, qui va être bien évidemment diligentée, puisse établir les causes de ce crash. Le pilote ou le copilote de l'appareil ont eu le temps d'envoyer un signal de détresse. Que pouvez-vous nous dire sur ce signal? Quelle est la nature du signal de détresse qui a été envoyé? Je n'ai pas d'informations sur la nature du signal de détresse qui a été envoyé. L'information que j'ai, c'est qu'il y a eu à un moment donné une perte d'écho radar. Une perte d'écho radar de la part du contrôle aérien, et à partir du moment où il y a eu cette perte d'écho radar, il y a eu le déclenchement du plan satellite de sauvetage aéroterrestre qui a été déclenché. C'est la seule chose que je peux vous dire, et moins d'une demi-heure après, évidemment, les premiers débris étaient localisés. Est-ce que vous avez des informations sur les personnes qui se trouvaient à bord, leur nombre, leur nationalité? Non, je n'ai pas d'informations. A priori, l'avion était en capacité de transporter 150 passagers. Il y a le chiffre de 148 passagers et membres d'équipage qui circulent. Cela va être confirmé dans les minutes et les heures qui viennent. Il y a aussi tout un travail de prise en charge des familles et proches des victimes qui va être organisé. Mais ce sont les autorités allemandes et espagnoles qui sont chargées, mais bien évidemment en lien avec les autorités françaises. Donc il y a un énorme travail évidemment à mener, à la fois pour faire face aux conséquences sur le terrain de ce dramatique accident, et bien évidemment pour venir en aide à tous ceux qui vont souffrir dans les heures, les semaines et les années à venir de cette catastrophe aérienne. Merci beaucoup Pierre-Henri Brandet, donc porte-parole du ministère de l'Intérieur.